Voilà, on est en train de parler des élections présidentielles françaises dans 70 jours. Beaucoup de candidats, trafic de candidats, embouteillage des candidats. Tout le monde va être président. Et je ne sais pas, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé de dire ça. Ils sont cons ou ils considèrent les gens comme des cons. Je parle des gens qui vont pas avoir même pas 5%. Et ils ne font pas une union, c'est-à-dire euh, toute toutes les gauches, toutes les gauches, 4, 5, 6 candidats, ils devaient se rassembler, choisir un, vous voyez l'histoire qu'il y en a. Euh, mais non, chacun, il se considère euh, comme un chef et il pense qu'il va gagner. <laughs> C'est dommage, malheureusement. Mais une chose qu'on ne parle pas, vous savez, c'est quoi C'est question de l'argent dans toutes les élections. Il y a une question de l'argent. L'individu, il pense qu'il va arriver, par exemple, soi-disant à 5, 6, 7%, et il va toucher la somme. Euh, une des raisons, c'est mon avis, hein, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous pouvez venir vous exprimer. Euh, c'est ça qui n'abandonne pas les candidats de gauche. Il y avait certains qui étaient prêts euh, à accepter. Euh, euh, vote populaire avant les élections, mais il y a des autres qui n'ont pas accepté et qui disent même, si demain il y aura un résultat, ils ne vont pas le reconnaître. En plus, autre chose qu'il y en a, vous savez, dans, euh, pour chaque élection, euh, les gens, le peuple, la masse populaire ils ne regardent pas euh, au fond des problèmes. Ils sont flattés par les paroles des candidats, par les propos qu'ils prononcent, par ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent. Celui qui parle bien et il sait de quoi il faut parler, il gagne. Confessieux, un grand philosophe. Très ancien, il disait le symbole d'un bon dirigeant, c'est bien parler. Alors bien parler, il faut avoir de bonnes pensées aussi, comme Zarathustra il dit, et il faut des bonnes pratiques aussi, comme Zarathustra il dit. Mais seulement parler bien. Parle bien, même si tu es président. Après, tu ne peux pas faire ce que toi, tu as dit. Par exemple, euh, notre ami François Hollande. Il disait, mon de vie, c'est la finance. <laughs> Qu'est-ce qu'il a fait Rien de tout. Ou par exemple, un autre candidat que euh, beaucoup de gens, ils le considèrent euh, comme le sauveur Je ne parle pas de Eric Zemmour, de l'autre. Il euh, était... Euh, Presque pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il était sénateur. Personne ne demande pas de ce monsieur de nous montrer ce qu'il a fait pendant qu'il était sénateur. Qu'est-ce qu'il a fait voter en faveur du peuple Personne ne le demande pas. Mais seulement, ils sont flattés par ses propos. Alors, l'argent aussi, c'est très important. C'est pour ça. Il ne faut pas penser que c'est la personne ou c'est les idées qui font fuir l'individu de ce camp-là vers l'autre camp. <laughs> non, il y a actuellement surtout actuellement que morale n'existe plus, c'est l'argent. Surtout en cachet, c'est pas la peine de le montrer. C'est très important. Déjà, il faut voir quelle richesse, quel capital est derrière qui. Ça, vous le savez Non. On ne parle pas. On ne parle pas. Qui est derrière qui Financement. La finance, c'est très important. Le finance, ce n'est pas plusieurs millions que le Conseil d'État a autorisé, il y a toujours plus que ça à dépenser qu'on ne peut pas le calculer. Mais 08 92 23 95 20, je veux vous écouter, mes chers amis. Allez, prenez le combiné et composez votre numéro. « Ici et maintenant, t'as raison, c'est ici et maintenant !»